1903, j'ai décidé moi aussi d'émigrer. Je me suis levé à l'aube le 15 mars, un vendredi. J'ai pris 800 drachmes et avant le jour, j'étais à Nulimo, près d'Orchomenos. De là, j'ai débouché dans la plaine de Milan. À l'époque, la route Lévidi-Tripoli n'existait pas encore. Nous passions par Capoue. Je suis arrivé à Tripoli en début d'après-midi et j'ai passé la nuit dans une auberge appartenant à... Un beau jour, ils nous amènent dans un champ. Il y avait des troncs, vous savez, des troncs d'arbres, et puis des haches, vous savez, pour couper la tête. Et comme le maire de la Moula, Moula ça veut dire grand village, c'était un grec naturalisé turc, alors il n'a pas voulu signer pour qu'on nous massacre. Les Grecs avaient une expression. Ils traitaient les Arméniens de baromètres. S'ils se faisaient massacrer quelque temps après, c'était leur tour. Eh oui. Dans les rapports qu'on a pu trouver après la chute de l'Empire ottoman, ça a été vérifié. D'abord les Arméniens, puis les Grecs. Et ils finissaient par les Kurdes. Parce que les Kurdes avaient un avantage. Voici le témoignage de Christina Sagatikian. J'ai des souvenirs. Des Italiens, pas tellement, mais des Allemands. Parce qu'ils étaient installés il y a très longtemps dans la ville de Sparte. Voici deux témoignages d'un tout autre ordre, encore que. Deux témoignages sur cet attachement à la Grèce, l'attachement qu'on a à sa langue, à sa religion, aux traditions, à sa cuisine, à sa musique. Don't.